Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo avec un épisode un peu spécial parce que aujourd'hui, bah écoutez, je vais tenter d'ici le 200e jour de jeu. Il m'en reste 4. D'ici ce jour-là, donc essayer de fabriquer un feu d'artifice pour marquer le passage à cette nouvelle année 2024. Et je vous souhaite d'ailleurs, par le biais de cette vidéo, une bonne et heureuse année. Alors, je me suis renseigné un petit peu, j'ai vu qu'il fallait de la poudre à canon, de la teinture, différents objets. Ah oui, vous avez vu, j'ai un âne. J'ai un âne ici, j'ai un âne pou, 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 par ici, je crois aussi. J'en ai rattrapé, j'en ai apprivoisé deux. Voilà, le deuxième est là-bas. Et j'ai même un troisième âne, mais celui-là, je crois que je n'ai pas encore apprivoisé. Et j'ai aussi un cheval. Voilà, donc j'ai été faire le plein et je me suis un peu équipé de manière à pouvoir passer d'un village à l'autre plus rapidement. Et là, je pense que je vais même devoir retourner à mon premier village ou alors ouvrir un portail du Nether pour aller chercher du quartz. Du quartz pour faire, je vais dire un mauvais mot peut-être, un dispenser, je crois que c'est ça. Donc le truc qui va faire que ça va faire s'envoler vers le haut les différents feux d'artifice. Voilà. Avant de commencer ça, je vais certainement faire des cuts. Hein, donc je suis retourné dans ce village. Ah tiens, j'ai oublié celui-là. Oh bah non, s'il pleut pour un feu d'artifice, ça le fait pas. Enfin non, j'ai encore du temps. Donc oui, j'ai agrandi cette maison qui était la même que celle-ci. Je l'ai agrandi. J'ai récupéré aussi un perroquet, le pauvre, il est sous la pluie. Donc j'ai agrandi cette maison ici pour faire un dortoir. Ouais, j'aurais pu enlever ça, mais bon, je vais laisser. Voilà. Et dans ce village, il y a du monde. J'ai fait des zones pour qu'ils puissent travailler à l'abri de la pluie. J'ai fait grimper certains de ces armuriers jusqu'au point le plus haut, et vous voyez qu'ils sont tellement généreux. Non, c'est pas vrai. Que je sais même pas si je vais les faire évoluer plus que ça. Oui, parce que vous pouvez le voir ici, j'ai 52 blocs de fer. J'ai des émeraudes à gogo. Je suis tombé sur un filon. Alors, je sais pas si c'est un large. Je pense pas parce que j'ai pas tant que ça, mais il devait être quand même assez joli. Un filon que j'ai trouvé par ici. Allez, je vais vous montrer quand même. Hop là, on y va. Je suis tombé sur un filon en cherchant tout à fait autre chose. Alors ça, c'est le chemin que j'ai recréé depuis, hein, mais en fait, je suis passé par la grotte qui est juste à côté du village. Et tout d'un coup, j'ai entendu du bruit. Et il y avait eux qui étaient là, là. Enfermé, je suis arrivé par ici là. J'ai laissé, oui, encore un peu de trucs ici. Je suis arrivé par là, j'entendais ce bruit, et puis bah on reconnaît hein, ces différents éléments dans une structure comme celle-ci. Et là, c'était génial parce qu'ils se sont battus entre eux, enfin voilà, ça a été assez génial. Et donc, en me promenant un petit peu par ici et puis par là surtout. J'ai découvert un beau gisement, un très très beau gisement de fer. Et donc j'ai poursuivi, poursuivi, poursuivi. Voilà, et donc là vous voyez des zones bien nettoyées avec ça descend, ouais, même par ici et par là. J'ai été même obligé de faire une remontée avec une échelle, ce que je remarque en dessous là. Ah bah tiens, il en reste encore un peu. Voilà, donc vraiment du fer à gogo. Et ce qui m'a permis de faire pas mal de choses. Et surtout de faire beaucoup d'échanges. Voilà. Mais ouais, je suis descendu assez profondément et c'était super sympa. Et là, je vais me retrouver coincé tout en bas. Ah, j'entends de la lave, je l'avais pas entendu.
Bon, bah en fait, j'ai bien fait de faire attention quand même. Voilà, donc je pense qu'il y a encore d'autres endroits dans le secteur où il y a du fer, mais bah pour l'instant, en fait, j'en ai pas besoin. Donc je vais pas poursuivre dans ce sens-là. Je pense que mes 52 blocs devraient suffire. Maintenant, il faut que j'arrive à repartir. C'était par ici. Ouais, je crois. Bon, je sais pas pourquoi je suis passé par là. Enfin, si c'était pour vous montrer un petit peu les évolutions. Non, rien à voir ici. Ah bah tiens. Hop là. Bon, allez, vite fait. Voilà. Bah voilà à quoi ça ressemble. Donc un joli petit filon de fer. Je vais faire ça un petit peu rapidement. Je vais pas repartir sans ramasser tout ça quand même. Mais pour vous, je vais peut-être le faire un petit peu en accéléré. Bon, on va s'arrêter là parce que le problème avec les filons, bah, c'est comme vous pouvez le voir, c'est que quand ça commence, on sait jamais où ça s'arrête. Et j'ai pas envie de faire toute ma vidéo là-dessus. Alors, maintenant il va falloir repartir. Je ne sais pas par où. Ouais, certainement par là. Ou pas. Ou pas. Ouais, ici. Oh, mieux encore. Allez, cette fois-ci, on s'enfuit par ici. Alors, j'ai eu quelqu'un qui m'a posé la question sur les armures pour les loups. De combien ça améliore leur protection. Alors, je dois avouer que bah, j'ai pas testé. Et quand il m'a dit de tester en les frappant, j'ai dit bah non, c'est pas mon, c'est pas ma façon de jouer. Donc juste pour informer qu'en fait pour l'instant mes différents loups m'ont accompagné pas mal dans mes aventures depuis qu'ils sont équipés de leurs armures et j'en ai pas perdu un seul pour l'instant. Voilà. Alors après ça ne donne pas une véritable valeur à leur protection, mais voilà. Et j'ai remarqué que j'avais pardon, j'avais donc eu des naissances et qu'ils avaient grandi, donc il va falloir que je les équipe eux aussi, les petits nouveaux. Alors, hop là. Donc on aura du papier en quantité pour faire les fusées. Je crois que j'en ai encore un peu ici aussi, ouais. Comme vous pouvez le remarquer, je suis en train de faire du stock ici pour faire un deuxième espace d'enchantement. Parce que en plus d'avoir énormément de fer, j'ai eu énormément de diamants. Je crois que c'est quand même ma première partie où je sais, c'est aussi énorme quoi. J'en ai 48 ici, mais je sais pas si vous vous souvenez dans les vidéos précédentes, je dois en avoir laissé aussi énormément dans l'autre village, le premier village. Donc c'est assez énorme. Donc voilà, bon, la nuit est déjà tombée, je vais arriver au 197e jour. Je me dis que voilà, pour le 200e jour, ça serait quand même vraiment bien d'avoir le nécessaire pour faire les feux d'artifice. Alors, j'ai le choix. Soit je prends des risques et je pars de nuit
chercher ce qu'il faut dans l'autre village qui est là-bas. Ah, les mecs, ils ferment pas leurs portes, c'est dingue ça. Ils ont vraiment peur de rien. Enfin, en même temps, ici, il se passe plus grand-chose dans ce village, on est bien protégé. Donc voilà, bah, moi je vais. Non, je vais pas prendre de risque. Je me pose ici. Ça me fait. Il est parti où lui? Viens là. J'aimerais bien que tu te mettes. Voilà, à l'intérieur ici. Viens. Oh punaise, qu'est-ce que t'es débile. Et je sais même pas si tu t'es posé. Ouais, si, c'est bon. Allez, toi. Une armure. Go. Pour mes dispensers, il me faudra. Ouais, bah non, c'est pas ici que t'auras une armure. Punaise. Bon, allez, on va à l'autre village, vite fait. Voilà. Hop, bien arrivé ici. Alors ce village-là, vous avez pu le remarquer, je l'ai un peu laissé à l'abandon. Hop, ça sera pour faire des jolies couleurs du feu d'artifice. Des plumes, je crois que ce serait utile. Il me reste encore une laisse ici, ok. Et ben ça sera plutôt pas mal pour aller faire un tour dans le nether. Et ça dégage. Ça, je crois que c'est pas utile. Je viendrai ouvrir le même, bravo. Et toi, ouais, si, ça sera utile aussi. Bon, pouf, pouf, pouf. Et à la base, j'étais venu pour faire une armure. Pour les loups. N'importe quoi. Alors. Ah, par contre, oui, ici, j'ai vraiment fait le ménage alors. Ça me servira à rien. Ça, par contre, je vais garder. Voilà. On va aller faire un petit tour. Allez! Non, il n'y en a pas plus. Ouais, je pense qu'en fait, les écailles, elles spawnent à un moment, mais si tu les ramasses pas, elles disparaissent. Bon, là, ça va, j'en ai 21 quand même, ça devrait aller. Tout ça pour m'en faire une. T'es où? Voilà. Allez, maintenant, t'es équipé. Bah, je vais garder les autres parce que je vais les embarquer avec moi. Ici c'est bon. Ouais, je crois que j'ai tout ce que je veux. Non, j'ai pas pris la poudre à canon. J'en ai déjà 50. Ça, je vais pouvoir le laisser ici. J'en aurai là-bas. Où est-ce qu'elle est la poudre à canon? Je l'ai rêvé la poudre à canon ou quoi? Je l'ai rêvé. Bah non. Attends, je vois plus rien là. Alors ça sera utile. Ça, c'est stupide de les garder là. Voilà. Ça va me libérer un emplacement. Ouais, ça, j'étais pas obligé de les prendre non plus. Waouh, mais je rêve là, je les vois plus. C'est pas ici. Ça, non. Là, y a rien. Et là non plus. Donc c'est dans l'autre, là-bas. Allez, hop, on reprend. Toc. Le cheval, et c'est reparti.
C'était bien là. Allez, potentiellement, ça sera... Ouais, je la garde là. Go! Voilà. Bon, et ben, hop, on est bien arrivé ici. Pardon. Je vais transvaser un petit peu tout ça. Ça, donc, ça va m'en faire encore plus. Donc, les plumes, je crois avoir vu que ça servait à quelque chose. Ils ont toujours pas. Oui, en même temps, il n'y a pas de mise à jour. Toujours pas changé le nom. Ici. Ah ah, ça vaudrait le coup de faire un protection 3 raccommodage, non? Juste pour aller dans le nether. Ouais, je pense que je vais faire ça aussi. Niveau 46. Oh, ouais, pas obligé d'attendre le niveau 50 hein, non plus. Hop, alors raccommodage plus ça. Et hop là, sympa. Toi, c'est pareil, je vais te réparer parce que. Voilà, c'est mieux que rien. Oui, je pourrais faire des blocs. Hein. Mais non. Pour l'instant, je m'en fous. Ça, c'est du charbon. Ok. Ah, j'ai pas fait de musique. Ah, ça, c'est fini. Hop, bah, donc là, ça va être fini aussi. Et ça nous refait des blocs. Voilà. Bon. Eh bien maintenant, donc, si je dis pas de bêtises, il va me falloir... des colorants, ça c'est sûr. Des torches de redstone. Distributeur, ça va être facile. Je vais pouvoir en faire un certain nombre. Et c'est voilà, c'est le comparateur de redstone qui lui me demande des quartz du nether et des roches. Et ben donc du quartz du nether, il va falloir que j'aille en chercher dans le nether. Et vous savez... Oh, je connaissais pas ça. Ah ouais, d'accord. Je sais pas à quoi ça sert. Je vais regarder. Donc vous connaissez ma grande face. Déjà la fin de la journée. Oh mais non, je vais jamais y arriver pour le 200e jour. Donc vous connaissez mes grandes compétences dans le Nether. Donc bah, je flippe un maximum. Et donc soit je crée un portail ici, par là. Ah, j'ai envie d'en créer un ici. Mais j'en ai un autre que j'ai trouvé dans la jungle là-bas. Voilà, là mon objectif, ça serait d'en faire un ici. Cet endroit-là, là, ce serait assez génial de faire un joli portail ici. Un peu comme dans une autre de mes parties où j'avais fait un portail entouré de verdure. Là, j'aimerais bien le faire... Oui, on va aller se coucher. Il m'appelle, entendu. Il m'a sifflé. Bon, voilà, disais-je donc faire un autre truc, mais là plutôt en mode roche, enfin un truc un peu structuré comme ça, certainement pour un autre épisode. De la même façon que j'ai envie d'aller chercher un chameau dans le désert pour le ramener par ici, pour faire une sorte de ménagerie avec les chevaux, des ânes, bientôt des éléphants. Non, je déconne, ne mettez pas d'éléphants dans Minecraft, ça sert à rien. Donc voilà. Bon, allez. Un petit dodo.
198e jour et waouh, il y a du monde là-bas. Ouais, et là je vais aller faire une connerie parce que je vais aller chercher du creeper alors que j'ai pas de chat avec moi. Ouais, en même temps je vais faire à distance hein, donc voilà. Où est-ce que je les ai vus les autres? Ah ouais, non, ils ont disparu. Quoi? Oh. Vous avez vu, je suis meilleur, hein, je me fais pas attaquer. Non, je déconne, je suis toujours aussi nul. Regardez, hop. Elle m'a rien fait. Ouh, même pas touché. Je suis trop fort. Bon, on arrête? Ouais, on arrête. Allez, direction le Nether. Et pour ça, je vais prendre un âne. Un peu d'équipement. Même ça où? Bah, je l'ai déjà. Ça pour pouvoir des échanges éventuellement. Ouais, j'ai rien ramené en fait, c'est nul. Lui. Non, j'ai pas mis de sel. Ouais. Hop, ça sera pour l'âne là-bas. J'ai rien d'autre à ramener. Non. J'ai pas l'impression. Je vais pas embarquer ça. Je vais pas embarquer ça. Non, les lits dans le Nether, j'oublie. Hein, j'oublie, je me suis fait exploser avec un lit. Donc c'est bon. On évite. Allez. Je me trimballe toujours avec trop de trucs qui sont là. Mais c'est comme ça. Alors, par là-bas, je crois. Je ne peux pas manger non plus. Gros comme une maison. Ouais. Qu'est-ce que je n'ai pas pris? De briquet. Oh, mais quelle naze. Et je crois qu'il n'y en a pas ici. Bah non, il n'y en a pas. Oh, purée. Je vais chercher un morceau de fer là-dedans. Il n'y en a pas. Alors, lui, c'est bon, je l'ai. Mais hop, j'en veux pas. Mais du fer, quoi. Oh non, mais quelle naze. Oh, bon, bah, retour à pied, hein.
Oh, j'ai eu peur. Je voyais plus l'âne caché dans le noir. Hop. Bon. J'ai pris de la nourriture, mais il faut que je la fasse cramer. Et pour ça, il me faut un four. Ou alors... Bah non, je sais pas ce qu'il faut. 198e jour. Non, il faut que j'y aille, là. C'est bon, il faut que j'arrête, là. On laisse les loups ici. Et je vais juste chercher un peu de quartz, quoi. C'est pas... Voilà, quoi. Allez. Ça, j'ai pas besoin. Oh, si, ça, je vais l'emmener avec moi. Ça me fait toujours rire de balancer une poule dans le nether. Oui, ça me fait rire que moi. Mais qu'est-ce que je fais? C'est pas ça du tout. Donc, on se change. Hop. Tac, tac. Tac. Ça, ça reste ici. Là, j'ai ça. Faut pas prendre ça. Allez, go. Ah. Je tremble, j'ai peur. Adieu, monde cruel. Non, je déconne. Comme ça, quand même. Oh non, mais c'est quoi cet arrivé? Aïe, 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 aïe. Donc si je dis pas de conneries, voilà, c'est... Il y a de la lave partout ici. Non, c'est bon, il n'y en a pas au-dessus. Oh, mais où est-ce que je vais trouver du quartz? Là-bas? Oh la pitié, non, je déteste ça. Donc je suis pas à l'aise du tout. Faut que je le garde toujours à vue d'œil. Au moins ici il n'y a pas de pigline. Mais il y a de la lave. Et la lave, ça me fait flipper. Je suis déjà mort carbonisé une fois. Voilà, ça c'est un coup à tomber. Voilà, c'est tout bête, hein, mais voilà, plein de petits trous. Et en plus, il peut y avoir de la lave juste à côté. Voilà, comme ici, quoi. Hop. Ouais, puis... non, mais arrêtez, c'est bon. Ouais, aucun intérêt, ce truc-là. C'est quoi, ce bruit? On dirait un compteur Gégère, mais c'est pas ça. Allez, allez. N'aie pas peur, avance tout doucement. Pas de bêtises. Voilà. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de quartz. Oh, pitié. Ce bruit. Ce qui me fait flipper, c'est que si je creuse vers le haut et qu'il y a de la lave, ça me tombe dessus. Et vu qu'on n'entend que le bruit de la lave, je me dis qu'il peut y en avoir au-dessus. Oh non, mais c'est trop dangereux. Là-bas, j'en vois. Oh, mais j'arriverai jamais à traverser tout ça. Oh là 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 là.
comment je flippe. Oh ouais, non, mais j'ai pas fait gaffe à ça. En fait, ce qui me fait flipper, c'est que je peux très bien me faire attaquer et chuter. Voire même chuter, sans même faire attaquer. Doucement. Mais ouais, mais non, mais derrière chaque truc, il y a de la lave. Allez, tout sauf de la lave ici. J'y suis presque. Voilà, c'est ça que je suis venu chercher. Non, non, mais non, non, non. Hop. Ouais, c'est dangereux aussi ce que je fais là. Ouais, 17, ça devrait être bon quand même. Et comme je suis cupide, je vais bien sûr ramasser des blocs comme ça. Bon, allez, c'est bon. 17, ça suffit. C'est par là que je suis arrivé. Waouh. Ouais, j'ai réussi. Waouh. Eh ben, ouf. Ouf, j'ai eu peur. Je vais garder mon équipement et puis n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai ramené ça. Ça non plus. Juste pour fermer ça. Voilà, hop. Allez. On repart. Je crois que par ici, ça va être plus simple. Pas plus rapide, mais plus simple. Go!
Et voilà. Bon. Je t'accroche là-haut. Qu'est-ce que je t'ai laissé dedans? Ok. Bon, et ben on se fait une petite pause, le temps de faire le ménage là-dedans. Et puis on reprend tout de suite.